Bonjour, je suis Patrick Lafric. Bonjour, je suis Serge Laberge et je remplace aujourd'hui Philippe Lapipe, détenu en garde à vue pour proxénétisme canin. Car il est incroyable. Au sommaire de cette émission, nous retrouverons Robert de Sicale dans le défi du jour, ainsi qu'un sujet touchant sur le rêve de Sylvestre Talon. Et pendant que Serge Laberge retrouve le défi du jour, nous allons tout de suite accueillir pour le fil rouge Michou, le styliste. Michou, venez nous rejoindre sur notre plateau. Vous allez nous expliquer en quoi consiste votre fil rouge. Salut Patrick, je t'ai déjà dit que j'adore ta moustache. Donc c'est très simple, moi c'est le style, le stylisme, la mode, le relooking. Et le relooking, c'est ce dont il s'agit, c'est-à-dire qu'on va prendre une personne super ultra chemo, je veux dire moche, hein, un petit nobody. Et tout au long de l'émission, je vais essayer de la relooker pour en faire quelqu'un de super et d'incroyable. Au travail Michou, nous retrouvons tout de suite Serge pour le défi du jour. Oui Patrick, je suis dans la cuisine de Robert de Sicale qui va tenter pour le défi du jour de servir de sa tête. Alors il sort tout droit de l'hôpital car il est incroyable. Et on se retrouve dans quelques instants pour lui laisser le temps de se préparer. Oui Serge, nous allons donc en profiter pour regarder le travail de Michou. Alors c'est bien simple, je vais poncer la laideur de son visage. Attention Coco. Oui ça va, alors serre les dents Coco. Ah là 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 là, quel travail. Alors Serge, est-ce que le défi est prêt? Vous avez sous les yeux un magnifique bloc de granit de 90 kg. Robert de Sicale va tenter de le briser par la seule force de son front car il est incroyable. Allez-y Robert, on n'attend plus que vous. Ah là là, sacré Robert, on vous retrouve à la prochaine émission. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Mais enfin, Coco, je fais une petite coupe. Ah, sympathique. Je trouve. Et tout de suite, le reportage du jour. C'est un reportage qui me tient énormément à cœur, car vous êtes incroyable. Aujourd'hui, dans le reportage du jour, nous allons réaliser l'incroyable rêve de Sylvestre Talon. Alors Sylvestre, présentez-vous. Ouais, je suis Sylvestre Talon et en fait, je suis attendu sur le drame de Playmobil. Et ça veut dire que j'ai une coiffure ridicule et que je peux pas bouger mes bras indépendamment l'un de l'autre ou alors les plier. La preuve en image. J'ai failli l'avoir. Alors Sylvestre, quel incroyable rêve on va vous aider à réaliser? Eh ben, c'est très simple, moi mon idole c'est Rocky Balboa, alors j'aimerais faire comme lui, parce que, j'ai failli l'avoir, parce que je suis sujet à tout plein de brimades depuis que je suis petit. C'était pas loin celui-là, et j'aimerais apprendre à boxer comme Rocky Balboa, et devenir un boxeur pro. Je pense que c'est possible, encore c'est incroyable, mais faut m'aider à réaliser mon rêve. Moi, Patrick Latrick, je m'engage personnellement à faire de Sylvestre Talon un boxeur professionnel, car il est incroyable. Dans la tête, je vais croire que je suis manchot. Adversaire pour Sylvestre Stallone car il est incroyable. Oui. Son adversaire concourt dans une catégorie inconnue en France, ce qui fait de lui un débutant. Ah oui, salut, je m'appelle Dominique Kekate, je suis simplement
Sylvestre va donc réaliser son rêve pour vous, car il est incroyable. Excuse-moi si je te fais mal, je contrôle pas ma force. Mais c'est pas grave, mon pote, vas-y, fais-toi plaisir. Surtout, tu n'évites pas les coups bas, d'accord? Les couilles, tout ce qui peut faire mal, tu tapes, d'accord? Surtout, tu n'essayes de pas poser le genou à terre, d'accord? Allez. Je suis KO. Allez, mon gars. Pec. Je m'économise, t'as rien vu, je m'économise. Et là, là, je t'en ai pas, voilà. Tes genoux, fais attention à tes genoux. Ouais, je sais que je peux tomber. M'enlève. Touché. Mais t'as de la chance, je suis pas en colère. Protège-toi, protège-toi, lève les bras, lève les bras. Oui, coach. Tes genoux, fais attention à tes genoux, là. Je le tiens, coach. Il est plein de sang. Non, c'est le tien, en fait. Il... Je tourne. Et oui, c'est la fin du reportage. Nous avons donc réalisé le rêve de Sylvestre. Si vous aussi, vous voulez réaliser votre rêve, inscrivez-vous sur le site qui clignote en bas à droite. Avec la fin de l'émission, il est temps de constater le fil rouge de Michou. Je peux vous dire que c'était pas le temps, hein, Patrick. Oh. La preuve en image. Regardez les pavillons. Ah oui, non, mais il est mort, là, non? On fait pas d'omelette sans casser des œufs. Ah. A bientôt pour un nouveau numéro d'Incroyable et Faux, car... Vous êtes incroyable.